Match Plus, Paris Match en podcast. Nous sommes aujourd'hui, cette semaine, avec un artiste, une vedette, j'allais dire une vedette internationale, c'est pas faux. Il s'appelle Tony Carreira, il est chanteur vedette au Portugal chez lui, mais aussi dans un certain nombre de capitales en Europe, certains pays, évidemment à travers les communautés portugaises, pardon, vous connaissez bien. Et en France, vous arrivez avec cet album qui vient de sortir il y a quelques jours, Nos fiançailles, France-Portugal. Pourquoi la France maintenant et pas il y a 10 ans ? J'ai vécu en France pendant beaucoup, beaucoup d'années, près de 25 ans. Ma carrière a démarré au Portugal, mais j'ai commencé à chanter en France, en fait. Et donc, c'était écrit que c'était là que ça devait arriver. Je suis très content que ce disque soit là. On n'a pas évoqué assez brièvement quand même vos débuts. Vous avez fait une scolarité normale et vous avez fait un choix qui était déjà celui-ci ou pas ? Moi, très, très tôt, je savais ce que je voulais faire dans la vie. Je pouvais y arriver ou pas, mais je savais ce que je voulais en tous les cas. Et c'est pour ça qu'à 15 ans, 16 ans, j'ai arrêté les études. J'ai commencé à travailler parce qu'il fallait un peu d'argent pour s'acheter une guitare, pour normal. Là, je travaillais dans une usine à cette époque-là. Et donc, peu à peu, j'ai travaillé pour m'acheter un peu une guitare, un micro, des choses. Jusqu'au jour où j'ai enregistré mon premier 45 tours. Premier album, deuxième album, troisième, quatrième, aucun qui ait marché. Et jusqu'au jour, et puis un jour, il y a une chanson qui change tout. Et en 1993, j'ai enregistré une chanson d'ailleurs que j'ai fait en 5 minutes, quoi. Et ça a été mon premier disque d'or. Les paroles et la musique. Oui. Et à partir de là, bon, ça ne s'est plus jamais arrêté. On va regarder quelques images. On a justement une vidéo qui vous montre... alors, c'est à Lisbonne, c'est un grand concert à l'occasion de vos 25 ans de carrière. Ouais. Racontez-nous. C'est une salle, une très grande salle qui est à Lisbonne, c'est presque un stade. Et on a fait deux soirs en fin d'année pour mes 25 ans de carrière. On a fait quatre soirs. Pour mes 25 ans de carrière, et je trouve, mais moi je suis un peu suspect, je suis en train de parler de moi, donc, mais je trouve que c'est vraiment un très très beau spectacle et un très très grand public. J'ai la chance d'avoir un très très grand public. Il y a un grand public qui est là, qui vous attend, qui est au rendez-vous de ces quatre soirs que vous évoquez. Combien de places dans ce qui ressemble à ce grand stade que vous avez rempli ? C'est une moyenne de 25 000 par soir, 25 000 tous les soirs, donc on a fait 100 000. Tão distantes, só perto do fim. Juntos, mas na solidão. Acomodados nesta condição. Não dá mais para continuar. Um de nós tem mesmo que gritar. E frente a frente vamos assumir.